Les moules frites, c'est une tradition côtière et c'est un plat pour moi de partage, un plat de détente. C'est quelque chose que l'on peut prendre à toute heure et il y a deux attraits principaux dans cette histoire. Il y a le contraste de saveur, bien sûr, avec le côté iodé du coquillage et le petit côté féculent fondant de la pomme de terre. Et en même temps, vous avez ce contraste de texture. Vous avez le fondant du fruit de mer et vous avez le croustillant de la frite. Nous prenons une base de beurre frais dans laquelle on laisse compoter un peu de carotte, un peu de céleri branche et de l'oignon nouveau. On ajoutera ensuite quelques feuilles de verveine fraîche qui vont apporter une petite saveur de citronnelle au coquillage. Alors c'est une moule de Bouchot qui vient de la région de Granville. Donc ce qui fait l'intérêt, si vous voulez, c'est le côté un petit peu résineux du céleri et également donc ce côté un petit peu citronnelle de la verveine. Vous voyez, les coquillages sont en train d'ouvrir. Il n'y a pas d'excès de chaleur. Alors pas d'alcool, pas de vin blanc. Hein. C'est simplement le jus du coquillage qui va créer la petite sauce. Il y a une petite liaison qui se fait au fond de la casserole, vous voyez, ça c'est intéressant. Ce qui est intéressant dans la frite, c'est justement son côté un peu... ce qu'aiment les enfants, c'est ce côté un peu croquant et à l'intérieur, ce côté fondant. Voilà. En Flandre et jusqu'en Picardie, le long des dunes de Belgique ou sur les falaises du nord de la France, les moules frites ont la force des vieux mythes. Populaires par essence, même si elles fascinent les chefs étoilés parisiens, elles sont comme un signe de reconnaissance et à chaque bouchée, c'est un peu d'embrun, de brume et de souvenirs de vacances partagées qui remontent. Maar frietjes? En frietjes. Oké. En een beetje tartare, alsjeblieft. Ja. Les gens viennent pour chercher les moules pour les emporter à la maison. On les emporte, ils prennent leur casserole avec. Ils prennent aussi les frites, c'est dans un petit bac à part, et puis la sauce. Les gens qui viennent de l'intérieur du pays, ils viennent spécialement pour manger les moules, ils prennent leurs vacances et ils viennent ici manger les moules. Nous, on est connus ici à la côte pour les moules frites et certainement les frites aussi. Hier in de kombuis, on prépare les moules nature. On les prépare aussi sur 14 différentes manières, mais la plupart des gens mangent naturel.
viennent depuis 30 ans. Hein. Ici, moi. Ici. Moi, ça me fait 30 ans que je viens ici. Les moules, impeccables. Mais je préfère quand même les pêcher moi-même. Oui, merci. Avec le petit vin blanc ou n'importe quoi, avec les copains. Où venez-vous, vous ? Entre Charleroi et la ville. Il y a la mer, là-bas ? Ah non ! Il y a la sombre. Et moi, je ne sais pas manger qu'une fourchette. On fait des soirées moules à volonté avec 130, 140, 150 kilos de moules. C'est vraiment super. Et normalement, pour bien manger les moules, il faut prendre une coquille. Voilà. On fait là, on fait ça, on met là. Je suis certain, il y en a qui mangent 2 kilos, 2-3 kilos. Il y a des personnes, ce sont des gros mangeurs. Vous allez voir, monsieur, là, il va tout manger. Si on marche comme il faut, voilà, on prend là. On n'a pas besoin de la fourchette. On prend pour la première. Hop là. Les frites, c'est belge, hein. Elles sont trop fines en France. Après le moule et frites, on ramène nos casseroles. Oui, mais va pas dans la... Voilà. Loulou, viens Loulou. Ah, si c'est pas beau. Super. Super. Hein, c'est magnifique. Ça va être à marée basse. Ah oui, elle va descendre tout à l'heure. Descend. Bah oui, tu la connais bien, toi. 10h, 10h30, elle est à l'heure. Ah oui, tu la connais bien. Au magasin. Et dès demain, vous les retrouverez à 149 francs. Là, nous vous proposons jusqu'à ce soir le coup à 89 Château de sable, c'est pareil. C'est un challenge individuel de chaque restaurateur qui se fait un honneur donc de vouloir faire un tas de moules devant son restaurant. Le tas de moules a été créé par le monsieur qui a créé ce restaurant, qui s'appelait Jules Cateux. Au départ, la voirie de Lille lui donner des sacs pour mettre les coquilles de moules et puis s'est avéré que la braderie d'année en année se développant et la tradition des moules frites se développant, il n'y avait plus assez de sacs pour y entreposer les coquilles de moules. Et donc il a demandé gentiment au service de la braderie de Lille de bien vouloir l'autoriser à déposer les coquilles de moules sur le trottoir. On les fait bien, des coquilles de moules, c'est pas particulièrement esthétique, c'est pas particulièrement facile à travailler. Donc nous, le tas de moules, on essaye de faire quelque chose, une œuvre d'art qui soit esthétique, architecturale. Et donc, effectivement, on y met une personne, voire deux, quand il y a vraiment beaucoup de monde, pour organiser, je dirais, le montage de ce tas de moules. Les chiffres de l'année dernière, c'était environ à peu près plus de 500 tonnes consommées dans la ville de Lille pour la braderie. À la
grande braderie de Lille, les vendeurs de moules frites ont définitivement supplanté les rôtisseurs qui animaient les rues au Moyen-Âge. Et jusqu'au monde de Flandre, cette alliance glorieuse de deux humbles produits, l'un de la terre, l'autre de la mer, a conquis tout le Nord. On a la frite, on a la moule, on a souvent les deux quand il s'agit de faire la fête. À chaque ducasse de village, il y a généralement un établissement qui prépare que des moules frites sur trois jours, disons vendredi, samedi, dimanche, et le lundi également. Oui. Chaque village a un établissement qui prépare ses moules frites. Ben, un estaminet, c'est d'abord un lieu de convivialité. Hein. Bon, dans d'autres régions, on peut appeler ça un café, par exemple. Hein. Mais en Flandre, ou en Artois, le terme utilisé était plutôt estaminet, parce que bon, bah, c'était un endroit où, en plus de boissons, on pouvait proposer aux gens des jeux pour passer le temps, et également un peu de repas, quoi, des petits repas. Souvent dans les arrières-salles des estaminets, il y avait même des brouloirs pour jouer à la boule flamande. C'était les sièges, bien sûr, des associations, hein, les archers, tir à la perche, les arbalétriers, et puis d'autres associations, disons, de jeux de société, quoi. Tu peux marquer tes points. Hein. Ouais, très important. Allez les gars, on se paye une frite. Je vous dis pas ce qu'on va se mettre dans le cornet. Avec la mayonnaise qui tombe à pic. Ça, c'est du bonheur en paquet. L'Africanelle peut y trouver sa place. S'il s'agit de s'emboucher un coin. Mais attention pour que ça passe. C'est d'une bière dont ça, c'est la minche. C'est la meilleure qui existe, ça. La minche de notre région, ici, elle a une peau épaisse. C'est ce qui la protège le mieux pour, contre le vertissement, qui protège son goût. Ben, au départ, il n'y avait pas d'irrigation et c'était une terre qui conservait de l'humidité. Donc, même par période sec, avant, on avait toujours des pommes de terre dans le Nord. Alors que les autres régions, sans irriguer, ils n'avaient pas de pommes de terre. Vous n'êtes jamais déçu à manger des binches. Alors que maintenant, il y a tellement de variétés, il y a beaucoup de variétés qu'on est déçu. Elles sont belles, la ménagère achète une pomme de terre, une belle pomme de terre, et puis quand elle la mange, elle est déçue pour la manger. D'ailleurs, les industries, ils travaillent 80% de binches, et presque tout des binches. On ne fait pas des frites avec des agathas ou des... Malgré que pour la ménagère, on met spécial frites dans le sac. Il y a des variétés qu'on met spéciales frites alors qu'elles ne sont pas fritables. En Flandre, on a vu arriver la pomme de terre 100 ans avant Parmentier. Il ne faut pas mélanger les pinceaux. Si on parle de pomme de terre, nous sommes en Flandre. La pomme de terre a été introduite en Flandre chez nous, bien avant donc qu'elle ne le fût en France. La friture n'est pas une invention récente, ça existe depuis très longtemps. Il suffit de revisiter les tableaux de Van Aertsen, de Bruegel, de Teniers, de Van Ostade, etc. et tous les autres.
pour qu'on voie de grandes marmites, de grandes friteuses sur les places de village lors d'une noce, par exemple, ou bien lors d'une kermesse, d'une grande fête, en dédicace au Saint-Patron. Et puis, on plongeait là-dedans tout ce qui devait frire. Et on dit que, en période d'hiver, quand on n'a plus l'occasion de pêcher des petits poissons en rivière, quand les rivières sont gelées, eh bien, on remplace les petits poissons par des bâtonnets de pommes de terre et on se dira, ça fera l'affaire, et on trempe dans la friture aussi. La frite est indissociable de la culture flamande, hein, maintenant, c'est sûr. Quoique maintenant, les Flamands ont exporté ce joyau de l'art culinaire, chez les Français, par exemple. Et c'est belge ou c'est français? C'est flamand. Belge ou française, flamande ou wallonne, la fameuse pomme de terre du Nord a fini par conquérir le monde. Mais de cornet en barquette, de snack en baraque de plage, de congélateur en pré-cuisson, elle a aussi bradé ses lettres de noblesse. Et dans le Nord comme ailleurs, il faut parfois faire des kilomètres pour trouver de véritables frites fraîches. Oui, justement, il y a des personnes de Lille, Roubaix, Tourcoing, Dunkerque qui se pointent. Et généralement, c'est souvent à cause des frites. Elle commence à chanter, là. Ça fait quand même longtemps qu'on fait les frites, donc on l'entend. Et les mettre. Et quand on fait des frites pour 10 personnes, ça va beaucoup mieux pour 10 personnes que pour 3. Ah bon? Oui. Voilà. Et au plus qu'il y en a, au mieux que les frites sont meilleures. Elles sont beaucoup plus croustillantes. Pourquoi? J'en sais rien. Ça, c'est une chimie. Enfin, les frites se préparent en deux bains d'huile bouillante, hein, bien sûr. On fait d'abord ce qu'on appelle une pré-cuisson, et ensuite on refait baigner les frites pour la cuisson finale. Ça, c'est impératif. On ne peut pas faire cuire les frites dans le même bain. Elles seront grasses, elles vont coller, elles seront infectes. Notre métier. Fait ça tous les jours, été comme hiver. On ramasse des moules deux heures avant la marée basse. On descend avec le tracteur, on ramasse et on remonte. Ça a toujours existé. Mais principalement les femmes avant qu'ils y allaient. Ça a été repris après par les hommes, mais au départ, c'était vraiment les femmes qui y allaient. On ramasse les moules, toutes les moules à la cuillère, une par une, pour les calibrer en fait. Parce qu'elles doivent faire 4 cm. Donc on est obligé de les trier. C'est de la moule sauvage, quoi. Là. Elle arrive naturellement, sauf sur quelques gisements que nous, on refait reproduire. Qu'on va chercher sur des gisements sauvages et qu'on remet ici pour implanter. Quoi. Cette moule, on l'a toujours trouvée sur nos côtes, disons, de la Bretagne jusqu'aux Pays-Bas actuels. Hein. Et la moule, on la voit dans pas mal de recettes de cuisine, dans pas mal de bouquins de cuisine. Pour mémoire, je dirais que on cuisinait déjà la moule au XIVe siècle, comme la cuisine encore maintenant. La moule ne se trouve guère, je vais mettre une petite réserve, dans la peinture flamande, parce que ça n'est pas un plat de riche. La moule, de tout temps, a toujours été considérée comme un plat populaire. Les gens riches vont lui préférer l'huître dans les natures mortes des grands peintres flamands, des grands maîtres flamands, ou brabançons en tout cas. On va retrouver l'huître qu'on ne retrouvera pas la moule. Je pense qu'il serait plus intéressant de
transférer votre action sur la moule de Bouchot. On pourrait peut-être essayer de vous faire ça là, aux alentours de 10 francs rendus chez vous. Qu'est-ce que vous en pensez? On y va pour les 2 tonnes. Donc, si vous voulez, toutes les semaines, on teste des différentes variétés de moules suivant les fournisseurs, afin que l'on soit vraiment au courant vraiment de la qualité de la moule et du pourcentage de chair qu'il y a à l'intérieur de la moule. Nous commercialisons à peu près 10 sortes de moules. Ce qui prime d'abord, c'est la moule de Hollande. Après, la moule de Bouchot, qui est française. Et suite à ça, après, donc, il faut se répartir, suivant les époques, en moules d'Italie, en moules d'Irlande, en moules du Pays de Galles, en moules danoises. Voilà, on choisit les différentes sortes de moules en fonction des époques. Ici encore, un emballage traditionnel, sac en jute, et avec la ficelle cousue à la main. Boulogne-sur-Mer, c'est un peu la capitale internationale de la moule. Ici, on exporte et on importe par dizaines de tonnes. Mais si au-delà de la frontière belge, on ne jure que par la hollandaise, la Zélande, en France, le fin du fin reste la Bouchot. Elle est plus petite, mais aussi plus ferme et plus orangée, et son histoire a toute la saveur d'une légende. La moule de Bouchot, c'est une moule qui pousse sur un pieu en bois qu'on appelle le Bouchot par lui-même. C'est une technique très ancienne qui a vu le jour en Bretagne suite à un naufrage fait par un Irlandais qui lui-même, à l'époque, avait implanté des pieux pour attraper des oiseaux et s'est aperçu que des moules poussaient sur ces piquets. Donc là est venue l'idée d'implanter plusieurs pieux pour y faire de la métalliculture. Mais la meilleure façon, c'est la moule à la crème. Donc la moule frite, non, ça se fait avec du vin blanc sec, par exemple, ou alors, par tradition, avec du vinaigre, par tradition, avec du verjus, hein, c'est-à-dire un vinaigre partant de raisins qui ne produisaient guère qu'un vin de qualité un petit peu moindre, quoi, disons. Hein. C'est une sauce moutarde. C'est une sauce moutarde. C'est une mayonnaise. Non. La moule, bon, bah. La moule est très, c'est vraiment le mollusque. Bon, quand on traite quelqu'un de moule, on a compris ce que ça veut dire. La frite, au contraire, elle est dorée, elle est rigide, etc., tout en restant assez souple. Mais bon, on a tout compris, ça. On sert deux plats. On sert un plat, une marmite, que disons, où on met les moules, hein, avec un couvercle pour qu'elle reste chaude, donc ouverte. Si elles sont fermées, évidemment, on ne les consomme pas. Et puis avec une assiette à côté, donc avec les frites. On va y ajouter même de la mayonnaise. Mais n'allez pas tremper la mayonnaise dans le jus de moule, évidemment. Hein. Allez, tournée générale, à celui qui dit le contraire. Allez, tournée générale, sur le compte des faux frères. Allez, tournée générale, à celui qui dit le contraire.